n'a toujours pas de nouvelles de Jacques. Je suis fatiguée de l'attendre. Après la guerre, la vie a repris son cours et j'ai continué à travailler au studio Edeline. Paulette est restée au couvent, elle y est encore. On a tous vécu pendant un moment avec l'espoir de revoir Jacques revenir. Un jour, on a reçu une lettre de la police militaire américaine. Ils ont accédé aux papiers du directeur d'un camp, du STO, près de Munich. Tous les décès des détenus étaient notés. Jacques y figurait. Il est mort le 12 février 1942. Il est mort de faim au travail. Condoléances. Tout change si vite, les modes, la technologie, les coiffures et même le studio. La photographie change, elle aussi. Les photographies de couleurs sont de plus en plus demandées. C'est comme si, à travers les couleurs, les gens recherchaient le changement, recherchaient la vie dans des souvenirs auparavant grisâtres. Octobre 1969, papa est parti rejoindre Jacques. Grâce aux moyens techniques à notre disposition, on a pu redonner l'éclat d'antan de ces photos. On retrouve des détails effacés par le temps. On découvre une nouvelle histoire par rapport à cette photo. On voit le moment que le photographe a vraiment voulu capturer. On voit son histoire. Néanmoins, les photographies ont deux histoires. La première, en tant qu'image, et la seconde, en tant qu'objet. En grandissant, Michel a fréquenté les soirées dansantes pour se changer les idées. Elle se faisait belle pour aller danser et s'amuser. Maman a su comment rester optimiste, même pendant les moments les plus durs. De plus, elle commençait à tomber amoureuse d'un musicien qu'elle rencontrait souvent. Il s'appelait Damien. Il aimait voir ma mère danser pendant qu'il jouait du saxophone dans son groupe de musique. Voilà l'homme qui sera bientôt mon père.
ils se sont mariés en grande pompe. Plusieurs convives ont été invités. Et maman s'est beaucoup amusée. Il y avait aussi ces jeunes hommes qui s'amusaient à jouer aux gangsters et aux mafieux, parrains de la cour de récréation, qui finissaient par mûrir et se retrouvaient soudainement mariés. Contraints d'abandonner leur petit jeu, ils devenaient alors des hommes respectables. La vie, la ville, les hommes, les femmes, les anciens et les anciens. Nous sommes souvent invités à faire des séances photos. Jean, Paulette et moi posons, tandis qu'Odette donne des conseils de photo à Christophe. Il utilise l'appareil photo que son frère a eu avant lui. Il est plutôt doué. Quelquefois, ce sont des soldats. L'un d'eux, un colonel allemand qui passait une nuit à Elbeuf avant de faire route vers Paris, a voulu frapper mon fils parce qu'il n'avait pas bien réglé l'obturateur de l'appareil.